Nouveau bilan lecture et c'est parti! On commence chez Kotoon avec le troisième tome de Let's Play. Pour ma part, je connais déjà ce webtoon parce que je l'ai déjà lu sur l'application. Mais la suite ne sera publiée qu'au format papier, donc je rattrape petit à petit. Ce tome était vraiment plaisant, on découvre petit à petit aussi les prétendants pour Sam et j'ai passé un super bon moment de lecture. On continue chez KBL avec le premier tome de Dangerous Convenience Store. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Certains moments sont un peu bizarres et certaines choses se passent un peu étrangement, mais sur le global, c'est une histoire intéressante. J'apprécie le développement et je suis curieuse d'en lire plus. De chez Vega Dupuis, j'ai lu le second et avant-dernier tome d'Abyss Azur, une très très bonne pioche pour ce titre qui reprend La Petite Sirène, mais vu plus d'un œil d'amitié que d'amour. Beaucoup d'action dans ce tome, ça avance très très vite et c'est passionnant, j'aime vraiment beaucoup ce titre. On va chez Kana avec la série finie en deux tomes, Back Home, et malheureusement c'est un flop pour moi. La série est hyper prévisible avec une histoire vue et revue, le scénario n'est vraiment pas à mon goût. Les dessins se veulent très réalistes et le son, mais malheureusement quand c'est sombre ça devient très brouillon. J'ai pas pris beaucoup de plaisir à lire ce titre, c'était vraiment pas pour moi. On termine chez Soleil Manga avec Mofusan, le petit guide des chars baroudeurs. Ça se lit très très vite, il y a très très peu de texte, il y a juste un chapitre qui a retenu mon attention sur les spécialités par région du Japon. Sinon, je pense que j'aurais clairement passé mon tour pour ce titre. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu certains de ces titres.